Hey, salut à tous, c'est Nocturnax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de unboxing. Donc, comme vous avez pu le constater, je vais ouvrir la boîte avec ciseaux de maçon. Donc c'est parti, on passe à l'ouverture. Donc là, la boîte, comme toujours, open me. Bon là, ça va, c'est pas très dur à ouvrir. Quoique, sur le côté... Ça le fait. Voilà. On range l'outil du crime. Donc, toujours le petit estampille pour dire que c'est bien fermé. Je mets la boîte de côté. Voilà. Je la fais un peu dépasser pour que vous voyez quand même, elle est encore là quand même, hein, elle n'est pas partie. Donc, dans cette boîte, nous avons toujours le récapitulatif que je vous montrerai à la fin. Un petit bouquin de recettes qui présente des gâteaux, des desserts, des plats aussi, des entrées. Ça va être une entrée. On verra exactement ce que ça parle à la fin de la vidéo. Il y a aussi un bon de réduction pour Jacquet. À mon avis, on va avoir des trucs dans le burger dedans. Ouais, burger à l'émincé de poulet et aux chèvres. On verra ça plus précisément. Ah bah allez, voilà. Donc voilà les fameux hamburgers. Enfin, les pains hamburgers plutôt, de chez Jacquet. 4 pains burgers. Donc, sans nature, hein, il n'y a rien d'autre. Le 22-06-19, il faudra faire ça assez vite. Je le mets là. Voilà. On a... je sais pas ce que c'est. C'est une boîte de concentré d'épices pour curry indien. Préparation facile, ouais. Voir ça ressemble à quoi dedans. C'est ça l'ouverture? Non. Bah écoutez, et, hein, ouverture. Moi je suis curieux, hein, je joue. Ça ressemble à des machins comme ça, c'est assez bizarre. Ouais. Ça je suis sceptique. Hein. Bon. Bretzel de chez Ansel, fabriqué en France, en Alsace pour être plus précis. Ouais. Je mets un peu plus de hauteur. Voilà. Du coup, riz avec légumes. Ouais, c'est 190 grammes. Les enfants vont adorer manger des légumes. Ça tombe bien, j'en ai pas. C'est burrito mélange aux épices. Ouais, de chez Old El Paso. Nous avons encore. Des bretzels, smiley. Ah oui, regardez, il fait un smiley là-dedans là. Un smiley. Ça a vraiment cette gueule là hein, pour le coup. Ouais. Bon, ça je vais les manger dans pas longtemps ça. Nous avons graines de chèvre à saupoudrer. Sur quoi? Je vois pas trop. Ouais, c'est pour les gâteaux. Ah non, les cakes. Pâtes. Ouais. Ça ressemble à ça dedans, plus exactement. Ouais. À voir. Oh, ça, je vous le montrerai après. On va d'abord commencer par ça, d'abord.
Mini Prince, ça, c'est très bien ça. Prince s'engage, programme Harmonie, couronne, gâteau, tout ça. Ça va être bon aussi, ça. Des pâtes, toujours des pâtes. Ça, les pâtes, ils aiment bien en donner. En plus, on a le temps, hein. 28-04-22, on a le temps. Et même au-delà de la date, on peut les consommer. Alors, une boisson. Faible en calories, Nestlé bio, thé vert, saveur, fruits des bois, hibiscus. Bah ça c'est pareil, hein. On va pouvoir le boire aussi dans pas longtemps. Et ça que je voulais vous garder pour la fin. À mon avis, vu que c'est marqué brut, je dirais que c'est du cidre. Cidre breton, c'est le drapeau là. Louis Craison, cidrier de caractère brut intense, cidre pur jus. Attention, alcool à consommer avec modération. Comme je vous le dis, mais modération, je sais pas c'est qui toujours. Attention, femme enceinte interdite. Donc voilà. Un bon petit cidre qui fait plaisir. Du coup, on va passer à un bonus qui n'était pas prévu. Et du coup, on va faire un autre unboxing de autre chose. Le temps pour moi de ranger tout ça et je vous reprends tout de suite. A few moments later. Du coup, j'ai oublié de vous préciser à la fin de vous montrer ces feuilles-là. Du coup, il y a les recettes et du coup, je vais vous montrer les recettes. Vous aurez juste à mettre pause. Moi, je vais juste essayer de bien le cadrer pour que vous puissiez mettre pause avec une bonne écriture. Comme ça, vous avez juste à mettre pause, hein, je le redis. Pour voir le livre des recettes, etc. quoi, si vous voulez les refaire chez vous. Voilà. Donc là, fromage blanc. Donc là, cookie moelleux, hein, avec les ingrédients et la préparation qui va avec. Et du coup, l'image d'illustration à gauche. Donc là, on a taboulé au grain de courge et tournesol, pignon goji et citron confit. Eh bah putain, la recette à la con, quoi. Saut glacé de pêche rôtie au melon et aux graines. Ils nous ont pris pour des pigeons avec la graine. Cake au chorizo. Tagliatelle aux graines. Ah, c'est pour ça qu'ils nous ont filé des pâtes, l'enfoiré. Eh, pense à tout quand même. Salade d'endives aux figues, raisins et noix. Camembert au four. Camembert au barbecue, c'est très bon aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous prenez du camembert dans une boîte en bois, pas en carton ou en papier ou ce que vous voulez. Vous enlevez l'emballage plastique qui est autour et vous laissez le camembert dans la boîte en bois. Et vous mettez ça sur les braises du barbecue et vous attendez que ça fonde. Et après, c'est super bon. Et vous trempez ça avec des merguez ou du pain ou ce que vous voulez bien, quoi. C'est super bon. Donc voilà pour le livre des recettes. Maintenant, on passe. Bon, voilà, on va passer rapidement. Hein, c'est Jacquet qui nous donne un bon de réduction de 40 centimes. Voilà, avec une petite recette derrière que je vous laisse. Voilà. Ensuite, du coup, ça c'est le détail. Alors, je vous mettrai dans la description ou dans les commentaires, je sais pas trop, le total de prix de tout ça et le prix de la box aussi en même temps à côté. Combien coûte la box et combien coûte chaque ingrédient un à un. Je vous donne les prix quand même là si vous voulez calculer chez vous. Voilà. Voilà. Donc le produit du mois c'est celui-là de chez Old El Paso. Et derrière il y a des recettes aussi. Du coup je vous les cadre. Vous avez juste à lire, mettre pause. Et voilà, il y en a une au-dessus aussi.
Voilà, je vous la cadre aussi. Voilà. Donc maintenant, sans transition, sans pause, sans rien, nous passons au bonus, qui est celui-ci. Je me suis fait une petite commande récemment, parce que mon casque audio a des petits soucis. Et donc du coup, vous savez tout de suite que j'ai commandé un casque audio. Du coup, je reprends le même outil hein, parce que bon, ça, on n'a pas besoin. Voilà le casque audio que je me suis commandé. C'est un Caution X G2200. Je sais pas si vous allez le voir. Bah, c'est marqué là. On le voit encore mieux. Du coup, je vous l'ouvre pour que vous puissiez voir en détail. Donc, au niveau du packaging, bah, c'est classique, hein, c'est simple, mais efficace. Du coup, dans la boîte, le casque était posé comme ça. Attendez, je vous le recule. Voilà, il était posé comme ça. Donc, bah, ça fait l'affaire, hein, c'est ce qu'il faut. Une notice, toujours. Mais on s'en fout. Voilà. Casque audio, on le met sur les oreilles et c'est fini. Du coup, voilà, il ressemble à ça. Avec le petit contrôleur au milieu. On a du coup muté le micro, muté les écouteurs, moins, plus pour le volume. On a la lumière à cet endroit-là. Bah, attendez, je vais vous montrer. Voilà, parce que j'ai exactement le même sur les oreilles en ce moment. Donc, vous voyez là, la lumière. Ce petit bouton qui clignote sert, parce qu'on le retrouve là. Sert tout simplement à donner des effets de profondeur aux basses en fait, tout simplement. Et du coup bah, ça améliore les basses, etc. Ça donne un effet vibration au casque. Et c'est vraiment pas mal. Et du coup bah, protection aussi, hein, comme d'habitude. C'est sympa. C'est bien fait, nickel. Donc c'est du Made in. Vous voyez, je vous montre. Hein. C'est bien français tout ça. Hein. Mais pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Je l'ai acheté chez Cdiscount, donc c'est pas un placement de produit, je tiens à préciser. Je l'ai acheté chez Cdiscount. Livraison plus produit, il y en a pour même pas 25 euros. Donc c'est vraiment un casque pas cher. Bon, dans le temps, au bout de 3 ans, le casque commence à se dégrader un peu. C'est du chinois, ça coûte 25 balles. Mais sachez qu'en ce moment, j'enregistre le son avec exactement le casque. Qui est celui-ci. Bon, plus vieux, forcément. C'est pour ça que je le rachète, parce que celui-ci a des petits soucis audio au niveau des écouteurs, donc c'est pour ça que je le change. Donc voilà. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne qui doit se trouver là, cet endroit-là, et à activer la cloche des notifications. C'était Nocturnax. Ciao tout le monde!